Salut à tous et bienvenue dans Top Sport. Hockey sur glace cette semaine au menu avec le super début de saison de l'Étoile Noire de Strasbourg qui va nous s'offrir une magnifique victoire contre Angers, le vice-champion de France. Le sommaire de toute l'émission en images et en musique, c'est parti. En s'imposant 2-1 contre Angers samedi soir, les hockeyeurs de l'Étoile Noire de Strasbourg confirment leur bon début de saison. Rencontre avec le coach Daniel Bourdage et David Caillé, l'un des joueurs. Colmar qui s'enlise, c'est du football, les SRC ne marquent plus et surtout ne gagnent plus en national. Tentative d'explication sur le mal colmarien après la défaite de vendredi dernier, 3-0 contre Niort au Stadium. Il est double champion olympique et triple champion du monde de canoë et de slalom. Le palois Tony Estanguet était de passage dans la capitale alsacienne la semaine dernière. Rencontre avec ce champion venu partager son expérience loin des bassins. On commence cette émission avec Daniel Bourdage, l'indéboulonnable entraîneur et emblématique de l'Étoile Noire de Strasbourg depuis 21 ans, Daniel. C'est ma 21e saison. 21e saison, effectivement. Daniel, ce début de saison, il est quand même assez impressionnant. Victoire contre Amiens ici en Coupe, contre Angers ce soir, vice-champion de France, de victoire à l'extérieur à Grenoble, qui est quand même pas n'importe qui dans le hockey français, à Épinal, 5-1. Et le sourire, on a presque besoin de le chercher sur votre visage, c'est quand même un sacré début de saison. Oui, mais le match, il est terminé depuis 15-20 minutes. Là. C'est certain que je suis encore un petit peu en train de revoir le film du match. Il a fallu beaucoup de concentration, surtout pour quand il y a eu 2-2 à la toute fin du match, Patrick Laine, pour être certain que qui on va envoyer sur la glace, à quel moment. Et puis, à un moment donné, j'avais mes deux joueurs de centre qui étaient punis, Marcos et Bradley. Les mises en jeu devenaient très importantes. Donc, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas encore le sourire qui irait bien avec cette victoire, mais je suis content. Vous êtes content, on le saurait à moins. Est-ce que vous êtes surpris tout simplement par ces quatre victoires pour les quatre premiers matchs contre en plus des gros clients annoncés? Ouais, surpris, oui, peut-être, parce que bon, c'est comme vous dites, c'est quand même Angers qui, cette année, a une très très grosse équipe. Il a même un entraîneur de la Ligue nationale avec eux, Constantine. Donc on le voit sur la glace, les joueurs sont très très bien positionnés, ils ont un rôle, ils jouent bien. Aller battre Grenoble à Grenoble, on ne l'avait jamais fait. Donc oui, je suis surpris de tout ça, mais en même temps, je savais qu'on y allait avec un bon groupe. C'est-à-dire, vous le pressentiez parce que l'Étoile Noire a fait a priori un bon recrutement, vous récupérez David Caillé, il y a eu quelques arrivées, moins que les autres années aussi, il y a une forme de stabilité. Vous pressentiez le potentiel de cette équipe? Oui, parce que j'ai eu la chance, si vous voulez, cet été, au printemps dernier, d'avoir la chance de faire comme on appelle une équipe fantôme, c'est-à-dire les joueurs que tu souhaiterais avoir sur un premier bloc, c'est-à-dire un bon power play, des joueurs également d'un côté humain très agréable, pas des joueurs trouble fête, si on veut. Donc c'était ce que je recherchais. Simplement pour finir l'objectif de cette équipe, vous aviez annoncé vouloir finir passer un tour de playoff en plus, donc être dans le top 4, c'est encore plus d'actualité. Vous allez avoir du mal à vous cacher maintenant, hein, vos ambitions avec ce début de saison. Non, on n'a pas envie de se cacher. Si on finit parmi les 4 premiers, ça serait évidemment une grande, grande surprise pour plusieurs raisons à travers la Ligue. Et personne ne nous voit on serait probablement les seuls à dire ça. C'est pas... Donc il faut faire aussi attention. Mais c'est vrai que de passer un tour supplémentaire, ça nous intéresse parce que ça nous donne quand même encore 5 mois à progresser, à travailler fort avec cette équipe-là avec laquelle j'aime travailler. Ça, par contre, effectivement, j'y tiens beaucoup à passer un tour supplémentaire. Parmi les 4 premiers, ce sera magique, ça. Merci beaucoup, Daniel Bourdage. On suivra, bien entendu, la saison de l'Étoile Noire. On va parler d'un club alsacien qui va nettement moins bien. Il y a des séries vertueuses, 4 victoires donc consécutives pour l'accueilleur. Il y a des séries beaucoup plus difficiles, 6 défaites de suite pour les SR Colmar en championnat de France de national. C'est du football, bien sûr. La série noire continue pour les Verts orinois. Quel est le malaise? Attaque, défense, adaptation à un nouveau championnat? Reportage tout de suite. La scène se passe à la fin du dernier match de championnat au Stadium. Damien Hoth, l'entraîneur colmarien, et ses joueurs, prostrés de longues minutes après le coup de sifflet final. Niort vient de gifler les Verts, 3-0, 6e défaite consécutive. L'euphorie de la montée est bien loin, les Orinois sont relégables. Constat amer, mais lucide. On a du cœur, mais le cœur ne suffit largement plus à ce niveau-là. Il faut du cœur, du travail et du talent. Qu'on ne nous parle pas de grosses et de petites équipes, on est simplement nous la plus petite équipe du championnat pour l'instant, c'est ça qui m'inquiète. Les chiffres confirment cette inquiétude. Après 2 victoires lors des 3 premiers matchs, Colmar cale. 6 défaites, 0 points, 1 seul but marqué, 13 d'encaissés. Les chiffres sont terribles. Pourtant, dans le jeu, les colmariens font souvent bonne figure. Témoin, ce match contre Niort, où ils dominent très largement la première période, sans parvenir à conclure. Sanction immédiate en seconde mi-temps.
3-0, dur, très dur. Les équipes, on arrive quand même à les bouger, à faire jeu égal, mais à un moment ou à un autre, c'est dans les deux surfaces où il faut savoir être décisif. Dans leur surface et dans la nôtre, on fait encore des petites erreurs d'inattention, des fautes à des endroits importants où, qui nous coûtent cher à chaque fois. Donc pour l'instant, on est encore en apprentissage, on essaye de rectifier ces erreurs. Il faut être tueur, quoi, il faut être tueur, que ce soit derrière, plus méchant derrière et killer devant le but. Premier à être montré du doigt, le secteur offensif. 3 buts marqués en 9 matchs, c'est évidemment insuffisant pour espérer autre chose qu'une 18e place. D'autant plus que les attaquants sont muets depuis le début de saison. Ni Thomas Régnier, si brillant sous le maillot mulhousien il y a 2 ans en CFA, ni Johan Rangde, ni Pape Dieye n'ont trouvé le chemin défilé en National. Pas question cependant de leur faire porter à eux seuls le chapeau, c'est toute l'équipe qui doit gagner en efficacité et parvenir à garder la solidarité qui a fait sa force. Un état d'esprit qui ne suffit plus, mais qui reste une base indispensable. C'est dans l'adversité qu'une personnalité se révèle. Ça va être dur, hein, ça va être très dur. Comptez pas sur moi pour faiblir. Maintenant, ça va être dur quand même, quoi. Voilà. On va le faire, tout le groupe va le faire. Tout le groupe va travailler pour le faire, quoi. Parce qu'on a les capacités de le faire. On a un mental d'acier, on l'a vu l'année dernière. Avec l'épopée de la Coupe de France et le championnat, maintenant, il faut surtout pas lâcher, quoi. Après, c'est peut-être un apprentissage, mais maintenant, il faut rien lâcher, quoi. Les dirigeants colmariens réfléchissent d'ores et déjà à recruter 1 ou 2 renforts. Le premier pourrait être finalisé d'ici le prochain match à domicile contre le Paris FC dans 10 jours. Encore un gros morceau au programme pour les Aurignois. On poursuit cette émission sur la glace de l'iceberg. Il y en a qui sont en tong, il faut descendre un petit peu pour montrer à la caméra. David Caillé, un revenant sur la glace de l'iceberg. David, super pour un retour à Strasbourg. On ne pouvait pas rêver meilleur début de saison. Oui, c'est certain que c'est un très bon début de saison. Là. C'est ce qu'on espérait dans le fond. On a eu une super bonne, une bonne séance de préparation là, le mois avant que la saison débute dans le fond. Puis on était prêts. Puis je pense que ça apparaît dans le fond dans les premiers matchs qu'on a fait. Vous êtes surpris par ce début de saison, par le groupe que vous avez trouvé, ou il y a une réelle progression qui est palpable depuis 2 ans que vous avez quitté cette équipe? Oui, c'est certain qu'il y a eu une grosse progression dans le sens que bon, on a beaucoup plus de profondeur qu'il y a 2 ans. Après, surpris du début de saison, je ne dirais pas surpris. Comme je disais, on a eu une très bonne phase de préparation. On sait qu'on a une bonne équipe, on sait qu'on a de la profondeur. Après, on a installé le système de jeu, tout le monde comprend son rôle à travers l'équipe. Donc non, c'est pas vraiment surprenant, mais c'est très intéressant au contraire. Le club a véritablement envie de passer un palier hein, dans cette progression, d'arriver dans le dernier carré des play-offs. Est-ce que c'est aussi dans le vestiaire, dans le groupe, évidemment, c'est un objectif que le groupe juge raisonnable, atteignable, ambitieux? Ben, on n'a pas encore parlé d'objectif parce que c'est encore tôt en saison, mais c'est certain que c'est certain que c'est ce qu'on recherche. On veut jouer le haut tableau cette année. On n'a pas parlé de si on veut finir dans les 4-5 premiers encore. Je pense que ça, c'est des objectifs qu'on va se fixer éventuellement. Mais c'est certain qu'on voit le potentiel. Il faut juste continuer à travailler tout le monde dans la même optique. Mais puis continuer à avoir une bonne éthique de travail, que ce soit sur la glace, hors glace, puis après les choses vont arriver comme ils arrivent. Pour terminer, on sent vraiment qu'il y a une progression aussi dans ce club de Strasbourg hein, qui est remonté il y a 5 ans il y a 5 ans en Magnus, qui chaque année franchit un cap petit à petit, alors qu'il y a eu beaucoup d'équipes en France qui se sont un peu grillées les ailes en grandissant trop vite, en dépensant de l'argent qu'elles n'avaient pas forcément. Ce retour à Strasbourg, c'est aussi parce qu'il y a un club où on sent que justement, voilà, il y a une vraie progression en douceur. C'est ça, c'est un club qui tranquillement fait l'ascension, mais c'est ça, il faut respecter le fait qu'il ne se grille pas comme... Bon, on a pu voir, je nommerai pas de nom, mais on a pu voir des équipes justement qui font comme s'il y avait des gros budgets. L'année d'après, ça casse. Donc ici, c'est tranquillement, mais sûrement. Merci beaucoup, David Caillé. On suivra évidemment la suite de votre parcours sur la glace ici de l'iceberg. On va parler d'un grand champion qui était de passage à Strasbourg, 2 couronnes olympiques, 3 titres mondiaux. Mais il y a des sportifs qui ne parlent pas que de sport, ou alors pas seulement sur les patinoires ou sur leur terrain de prédilection. Regardez. Presque aussi à l'aise devant un amphithéâtre d'étudiants que sur un bassin de slalom. Tony Estanguet incarne cette génération d'athlètes qui conjugue l'excellence sportive, 2 titres olympiques notamment, et les succès universitaires.
De passage à Strasbourg, devant les étudiants de l'école de management et ceux de la faculté des sports, le Béarnais plaide justement pour ce mélange des genres. Moi je pense que justement, il faut arrêter de cloisonner tous les milieux. Je pense qu'aujourd'hui, ce que je retiens de mon parcours, c'est que les études m'ont apporté un certain équilibre, que le sport m'a permis également de rencontrer énormément de gens, d'avoir une ouverture d'esprit, de développer des compétences très intéressantes. Plan de carrière, recherche et gestion des partenaires publics et privés, rapport à l'image et aux médias, les passerelles sont nombreuses pour ce titulaire d'un master d'une école supérieure de commerce. Ses doubles lauriers, sportifs et universitaires, ont fait de lui un de ces athlètes dont on sollicite les interventions, même si la médaille olympique reste le premier sésame. C'est un milieu qui passionne, c'est un milieu qui interpelle. Donc en général, quand on arrive avec cette étiquette de sportif de haut niveau, les gens sont assez réceptifs. Ça m'arrive aussi d'intervenir pour les entreprises en essayant d'aborder des notions de respect, des notions de travail en équipe, des notions de gestion d'un objectif, de motivation, de confiance en soi. À 32 ans, Tony Estanguet reconnaît piocher lui aussi de l'expérience dans ses échanges. Peut-être une des clés qui pourrait emmener le porte-drapeau français des Jeux de Pékin vers un troisième titre olympique à Londres en 2012. C'est déjà la fin de ce Top Sport. Le public de l'Iceberg autour de moi fait la fête à ces hockeyeurs. Ils vont avoir du mal à se cacher très longtemps, les hockeyeurs strasbourgeois, qui ont donc posé leur marque sur ce début de saison en Ligue Magnus. Beaucoup de choses le week-end prochain en Alsace, à commencer bien sûr par l'étape française du championnat du monde des rallyes. Et toute Alsace qui attend le sacre mondial de Sébastien Loeb sur ses terres. Allez-y, soyez prudents sur bord des routes tout de même. Plus classique, Souffolweyersheim en National 1 en basket contre Blois, samedi soir 20h, gymnase des 7 Arpents. Et le rugby, dimanche 15h, le Racing Club de Strasbourg qui reçoit Massy. On se retrouve la semaine prochaine ou quand vous voulez sur internet www.alsace20.tv. Bye bye.